Cette journée, en un mot, il faut dire que c'est un retour aux sources. Aujourd'hui, c'est un retour aux sources. C'est mon père qui était venu ici faire son tarbiya ici pendant des années. Donc c'est sur la prophétie de cet homme qui s'appelle Serigne Bate Ndiaye qui a indiqué à mon père de s'installer à Ziguinchor. Et c'est dans cette logique que moi je suis né et il m'a donné le nom de Cheikh Tidiane Tambedou. Parce que ici c'était aussi un grand foyer de la Tariqa Tidiane. Surtout dans nos zones, ici en Casamance, on a besoin parfois des moments de rassemblement, de recueillement et de retour aussi aux origines, aux valeurs islamiques, aux valeurs universelles qui ne sont pas seulement des valeurs de l'islam. Parce que ce que nous faisons aussi, c'est tout simplement une communion des cœurs et des esprits pour vraiment faire face au Seigneur le Tout-Puissant pour qu'il puisse exaucer tous nos voeux. Perdre les valeurs, c'est un constat que tout le monde a remarqué. Et ça vient dans notre quotidien. Nous le consommons tous les jours. On voit tous les événements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même les gens sont inquiets. On ne comprend pas pourquoi. Pour moi, c'est des messages importants par rapport à toutes ces catastrophes que nous voyons. C'est des messages pour que nous puissions aussi faire une introspection à nous-mêmes. Chacun à ses niveaux. Revoir ce que nous sommes en train de faire. Regarder ce que nous sommes en train de dire tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, parler est devenu facile. Mais agir est devenu difficile. Les ceux qui parlent ne font que briser ceux qui agissent. C'est trop facile. Faire sa promotion en brisant les autres, c'est trop facile. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons revenir sur ça pour donner le bon exemple à nos enfants. Un enfant qui a l'habitude de s'habituer d'affaire avec des criminels, avec des couteaux, faire des pistolets, porter un cow-boy, je pense que tout cela ne fait que vraiment pervertir nos valeurs. Et je pense que des manifestations comme ça, c'est des occasions où chacun, en venant, tu amènes tes enfants pour qu'ils puissent au moins, à un certain moment, rencontrer d'autres personnes qui parlent d'autres choses, qui disent autre chose, qui font autre chose et qui peuvent, en fait, en retour à la maison, je pense que ça peut nous aider quand même à changer notre société de façon beaucoup plus positive. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala al-Qur'an wa sallim ala al-Qur'an.